Salut tout Salut le tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau challenge. Parce que oui, sur cette chaîne, on aime beaucoup les challenges. Et du coup, aujourd'hui, on vous propose un challenge qui commence justement aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, et qui est organisé par Pauline de la chaîne Patatras. On vous mettra le lien en barre d'infos, pour ceux qui ne connaissent pas Pauline. Et elle a fait le constat récemment, et peut-être bien plus avant quand même, que malheureusement dans les chaînes Booktube et même sur les autres comptes Instagram, Livresque et les blogs, les tags et le partage se perdaient. Et du coup, elle a voulu créer un challenge qui permettait justement d'échanger, de partager autour de nos lectures, mais aussi autour de différents comptes. Instagram, YouTube comme nous, ou même des blogs. Et du coup, on a décidé de participer également à ce challenge et on va vous présenter les items et nos piles à lire pour ce challenge. C'est parti. Vas-y, je suis galant de refaire. Pour la première catégorie, c'est lire un livre de la pile à lire d'un influenceur. Est-ce que t'en as un? Non? Si? Non. Non, ben moi j'en ai un. Et je vais commencer avec Catwoman de Sarah Dimas aux éditions Bayard, qui est actuellement dans la pile à lire même du challenge de Justine de la chaîne Red Blue Moon. Je mettrai également le lien en barre d'infos de la chaîne de Justine. Et du coup, elle l'a en VO et je me suis dit bon bah. Même si j'ai eu l'échec avec Batman, on va quand même tenter Catwoman. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est demander à un influenceur littéraire de choisir un livre dans votre pile à lire. Et du coup, moi, j'ai été cassé les pieds à Elliot et des livres, a.k.a. Elodie. Et elle m'a choisi iDreamer, comme vous voulez, le tome 1 de Karine Marseille aux éditions Rebelle. Pour faire un rapide résumé, c'est l'histoire de la fille d'un créateur de jeux virtuels où se battent une équipe d'angels et une équipe de débiles. Je n'en sais pas plus. Du coup, on va suivre la fille du créateur parmi ce jeu virtuel. Et peut-être que ce sera une sorte de Fortnite. J'en sais rien. On va découvrir ça. Ensuite, le troisième item, c'est lire un livre conseillé par un ou une influenceur, influenceuse littéraire. Et en fait, j'ai été au plus rapide. Je sais que les lectures d'Élise, je vous mettrai également en barre d'infos le lien de la chaîne, a un amour inconditionnel pour Franck Tillier. Limite, si c'est pas son dieu. Je me suis dit que, vu que j'en avais un dans ma pile à lire, autant le lire, puisque de toute façon, peu importe lequel, je pense qu'elle les conseillerait tous, puisque c'est du Franck Tillier. Là, j'ai une belle bricasse quand même, hein. 500, près de 520 pages, ouais. Plus le Catwoman, on est près à 900 pages. Oh, je pourrais carrément refaire un Wigan Nabil. Au moins. Au moins. Ensuite, pour l'item suivant, c'est lire un livre avec une couverture rose. Ah. Oh, mais bien sûr, moi j'en ai pas. Je pense que c'est plus pour les personnes qui lisent de la romance ont peut-être plus de chance d'avoir un bouquin avec du rose. Enfin, c'est peut-être après. Alors, moi j'ai choisi, alors je sais pas si vous verrez bien parce que bon voilà. J'ai choisi donc La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine des éditions Harlequin. Il y a du rose. Il y a du rose sur le titre. Si vous ne voyez pas, on remettra oui, l'image. Parce qu'avec ma tablette, j'ai mis le maximum, mais bon, voilà. Et je me suis dit, comme c'est dans ma pile à lire depuis un petit moment, et que bon, un
parle plutôt bien. C'est quand même les premiers livres sur lesquels j'ai jeté mon dévolu quand j'étais plus jeune, grâce à mes grands-mères. Merci. Merci les mamies. Mémé et mamie. Et donc je me suis dit, comme ça fait un petit moment que je n'avais pas lu, et puis que j'avais Emily Blaine, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Moi, ça sera fait. D'accord. Et bah du coup, le prochain item, c'est lire un livre où l'amitié est importante. Du coup, ayant lu les deux premiers tomes, je pense qu'on peut parler d'amitié. Je vous présente du coup Charlotte Lupin et moi de, je sais que c'est pas Irène Adler, hein, mais je ne sais pas le nom réel de l'auteur. C'est chez les éditions Françoise Hier. Et là, c'est l'énigme de la rose écarlate. Et de ce que j'ai pu bien comprendre dans les deux premiers tomes, Lupin et Charlotte sont très potes. Du coup, pour moi, je pense que ça peut forcément rentrer dans une amitié importante. Mm-hmm. Il m'intéresse. Je dis ça comme ça dans la partie. Moi, j'ai décidé de lire, toujours donc pour le même thème, un petit manga. Voilà. Et il est heureux, lui aussi. On a de la chance. Hein. Saumon, moi j'aurais dit. Mais bon, on va pas. Hein, voilà, bon, c'est une sorte de rose. C'est Sakura, voilà, donc Captor Sakura Clamp, c'est édition Pika édition, j'espère que j'ai pas trop écorché le nom du manga. Enfin, moi j'appelle ça Sakura, hein. J'ai suivi quand j'étais petite, à la télé, Sakura, et voilà. Tout le monde voilà, connaît Sakura. Donc voilà, Sakura, il y a quand même de l'amitié dedans, hein, je me suis dit ça pouvait rentrer. Le second item, si c'est bien dans l'ordre, c'est lire un graphique. Mm-hmm. Donc moi j'ai choisi pas le graphique le plus simple du monde. J'ai pris Odyssée de Matt Fraction et de Christian Ward. En gros, l'histoire c'est l'Odyssée d'Homère, enfin d'Ulysse écrit par Homère. Revisité de façon un peu psychédélique et très étrange. Du coup, je vais le lire et je vous en reparlerai plus tard. Et c'est chez les éditions Glénat, dans la collection, dans la gamme comics. Alors, on mettra en barre d'infos parce que moi j'ai pas parlé des résumés ni rien. Je vous avouerai qu'en général, quand je choisis un livre, en fait, je ne lis pas toujours le résumé, donc je ne sais pas toujours de quoi il parle. Je me jette dedans, et puis des fois ça va, des fois ça ne va pas, voilà. On a la surprise, voilà, c'est ça, la surprise de la lecture. Ça m'évite aussi d'être spoilé, parce que des fois les résumés, ils sont un peu trop complets, et on comprend tout ce qui se passe. Donc moi, j'ai choisi, donc pour le livre graphique, un comics, mon premier comics. Wouhou ! Voilà. Monsieur a décidé de m'initier, je me suis laissé tenter. Donc c'est Marvel Heroes, donc c'est le numéro 5. Donc je verrai bien, je regardais un peu hein, les illustrations, qui m'a l'air pas mal, comme j'aime bien dessiner aussi, je me suis dit bon, pourquoi pas se lancer. On a fait les mangas, on est bon dessiné, on va essayer les comics. Et vous voyez, c'est un tome 5. Oui. Donc c'est Panini Comics. Mais on en reparlera plus tard du pourquoi elle a pu commencer au tome 5. Oui. Et du coup, le septième item, c'est lire un livre de poche. Mm-hmm. Ben moi, j'en ai pas. Alors moi, voilà. j'ai été chercher hein, dans mes réserves de livres. Or, je me suis dit, est-ce que je pars dans les livres de poche que j'avais à l'école? Et puis, pour finir, je suis tombée sur un livre, en cherchant d'ailleurs un manga qui avait disparu. Merci, parce que c'est grâce à lui que je l'ai retrouvé. Hein, il m'a donné l'idée de où republier mon livre. Et je suis tombée sur ce livre qui m'a été offert, d'ailleurs, par Dieu. Il m'offre beaucoup de livres, je l'avoue. Donc, Anora Roberts.
C'est le collectionneur, donc aux éditions. J'ai lu. Donc, bon, il est un petit peu vieux. Hein. Mais bon. L'occasion. Voilà. C'est un livre de poche, mais c'est quand même une belle bricasse. Hein. Bon, on verra bien. 150 pages, tu m'étonnes. Là, alors, le résumé m'avait donné envie parce que de l'acheter m'avait quand même expliqué ce que c'était. Donc, le métier de Lila Emerson, surveiller les maisons inhabitées lorsque leurs propriétaires partent en vacances. Un emploi certes étrange, mais qui permet à la jeune femme de voyager à travers le monde au gré des contrats avec ses riches clients. S'il y a une chose qu'elle apprécie d'ailleurs, c'est observer le quotidien des voisins par la fenêtre. Un jour, pourtant, elle se retrouve prise à son propre jeu lorsqu'elle est témoin d'un meurtre. Ashton Archer, artiste et frère du suspect, fait alors appel à la jeune femme pour l'aider à comprendre ce qui a bien pu se passer. Ah, je me suis dit, bon, ça fait thriller, histoire de meurtre. C'est flippant, ça parle de... Ça, oui. Je me suis dit, bon, je sais pas, c'est pas trop mon style habituel, mais pourquoi pas. Donc, voilà. Donc là, c'était pour les 7 items. On en a un 8e qui est lire 7 livres en une semaine. Donc un livre pour une semaine, puisque ça se déroule, le challenge se déroule du 19 au 25. Et donc du coup, pour compléter, moi j'ai décidé de lire les deux premiers tomes de My Home Hero de Naoki Wamakawa et Masashi Azaki dans les éditions Kurokawa. Et en gros, pour refaire rapide l'histoire, c'est... un père de famille qui se rend compte que malheureusement sa fille est violentée par son petit ami et le père apparemment va tout faire pour sauver sa fille des griffes de ce méchant bonhomme, j'allais dire autre chose mais je lui ai resté poli. Voilà. Ça a l'air très psychologique. Ça a l'air très psychologique, ouais. Ouais. Du coup, je vais le découvrir en deux, pour les deux premiers tomes pour le moment. Voilà, et ça fait donc 7. Du coup, ça m'en fera 7. Donc, moi, pour compléter, j'ai choisi de lire Le cycle des pierres protectrices. Donc, c'est le 3.5. Je sais pas comment 2.5. Oui, le 2.5, excusez-moi. J'ai déjà parti. Je sais même pas si ça existe le 3.5. Le 2.5, excusez-moi. Donc, c'est Améthyste, la rencontre. Donc, c'est le préquel de Améthyste, le tome 3. Je me rappelle plus, c'est la pierre de vie. La pierre de vie. Améthyste, la pierre de vie, le tome 3. Donc, comme j'ai lu les deux premiers tomes et que j'avais beaucoup aimé et qu'on parle de certains personnages qui apparaissent dans le tome 3, je me suis dit, comme ça m'intéressait beaucoup, que j'allais lire d'abord le préquel avant de lire le tome 3, je l'espère, bientôt. Donc voilà, et pour compléter également, j'ai décidé de lire le tome 3, c'est bien ça, hein, 3 et 4 de Sakura. Comme ça, ça fait 7. Voilà. Mais vu que le challenge, bah, ça serait trop simple en fait. Oh, j'en ai oublié un. Désolée, j'en ai oublié un. J'ai oublié aussi. Honte à moi. Je vais peut-être fouiller sur un plat public. J'ai oublié de dire aussi que je vais lire aussi le livre Si près des étoiles. Ça fait un moment que je l'ai à lire. Et je l'avoue, je l'avais laissé de côté. Donc c'est aux éditions L'Archipel. Et en gros, ça parle... Alors, il y a deux histoires en fait en une. Il y a une histoire avec le personnage principal, Julie, qui va vivre un peu les coulisses du film Autant n'importe le vent. Et donc elle va découvrir tout ce qui se passe derrière, elle va rencontrer les acteurs donc, du film, réalisateurs, et en fait
le livre explique en gros à travers son histoire les coulisses du livre, et on va découvrir aussi grâce à elle et son histoire l'histoire d'amour entre Red Butler et je ne me rappelle plus comment elle s'appelle et notre actrice, enfin on vous mettra le résumé pour m'expliquer, mais en gros c'est l'histoire aussi d'amour entre deux acteurs, voilà. Et du coup, après ces livres, ça aurait été trop facile. Pauline nous avait également concocté trois défis en plus à réaliser durant toute la semaine. Le premier défi, c'est de proposer sur nos réseaux sociaux des comptes Bookstagram, Booktube ou même des blogs toute la semaine. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce que c'est là où on partagera les comptes qu'on aime bien. Du coup, ça, c'est à le faire au moins une fois pendant une semaine. Et du coup, pour gagner un nouveau badge. Et le deuxième défi, c'est de participer à au moins un live YouTube ou Instagram. Ça dépendra des guests parce que oui, Pauline a décidé d'inviter des guests durant son challenge. Et du coup, ce soir, il me semble à 20h aux alentours, entre 19 et 21, veillez la chaîne de Pauline parce que c'est elle qui démarre les lives. Donc ce soir, il y en a un chez Pauline. Demain, vous retrouverez un nouveau live chez Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Mercredi, vous retrouverez un live sur la chaîne de Justine et de la chaîne Red Blue Moon. Jeudi, vous allez avoir un live sur avec Quartier du Livre. Je m'excuse d'avance, je n'ai pas retenu son prénom. Qui, du coup, je ne sais pas si c'est sur Instagram ou si ça sera, sur YouTube, mais on vous mettra tous les liens en barre d'infos. Vendredi, vous pourrez retrouver un live sur la chaîne, là par contre, de The Book of Lilian, qui vous proposera un live autour du challenge des lectures. Vous aurez samedi un live sur la chaîne de Vibrations Littéraires de Manon. Et pour terminer la semaine, vous aurez un live sur, logiquement, la chaîne de Kiss the Librarian. Donc, tous les liens seront en barre d'infos parce que faut pas tout retenir. Hein. Et enfin, le dernier défi, qui là, c'est le Graal, l'ultime défi. Bah, c'est de réussir tous les défis. Voilà. Ça devrait être simple. Si vous avez déjà fait tout ce qu'il y a avant, ben, logiquement, vous arriverez au dernier défi à la fin. Et du coup, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est de aujourd'hui jusque le 25 août, qui est dimanche. Une semaine pour réussir. Une semaine. Quelle est notre mission ? Pour y arriver. C'est notre mission, mais c'est aussi votre mission si vous voulez y participer. On vous mettra la vidéo qui récapitule aussi le challenge, peut-être mieux que nous par rapport à ce qu'a dit Pauline. Et elle a sûrement dû le faire mieux que nous, puisque c'est son challenge. Et du coup, ben, on vous attend en commentaire pour nous dire si vous allez y participer, ce que vous allez lire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut si vous avez aimé notre vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut.